全世界2000万ダウンロード突破。ブリーチ、ブレイブソウズ。さっさと始めようぜ。一気に型をつけるぜ。月が天章。絶望するわ。終わりだ。しょうがねえな。行くぜ。月が天章。魅力的なキャラクターが勢ぞろい。最大4人でのマルチプレイで仲間と共に戦え。ブリーチ、ブレイブソウルズ。ブレソルで全サッ。Bonjour à tous et bienvenue sur Kill Game Station, le résumé volume 28. Voilà, on se permet de commencer avec la nouvelle vidéo qu'on a lancée pour les 2 ans du jeu. J'espère qu'elle vous plaît. Elle a été réalisée par le directeur, le metteur en scène en fait de l'émission Kill Up Game Station et du résumé Tsuboi-san. J'ai son acolyte Nonohara-san à côté de moi. Il est là-bas, mais il travaille toujours dur à l'émission, donc big up. Voilà, on va commencer tout de suite par faire un point comme ce matin, juste une mise au point, pas sur les étapes de ma vie, mais sur ce qui se passe en ce moment dans le jeu. Donc déjà, on a atteint les 2 ans, en tout cas pour la sortie japonaise, donc tous les jeux mobiles n'arrivent pas à faire encore moins de 2 ans. C'est grâce à vous, donc un grand merci à tous. Maintenant, effectivement, depuis le début des festivités, on a des gros problèmes de connexion, comme vous pouvez forcément le constater. On reçoit beaucoup de messages, on reçoit aussi sur mon Twitter. Je peux vous assurer déjà d'une part que tout le monde travaille d'arrache-pied à rétablir la situation. C'est arrivé le week-end, mais même malgré ça, tout le monde travaille 24 heures sur 24, il y a du monde sur le pont. Ils font des rotations, ils n'arrêtent pas de bosser. Il y en a plein qui rentrent chez eux juste le temps de prendre une douche et de se changer. Donc ils sont à fond. Donc what? Qu'est-ce qui se passe? On a une augmentation vraiment, vraiment exponentielle du nombre de joueurs. Qui était planifié jusqu'à une certaine mesure. En fait, avec les 2 ans, on avait planifié, on regarde ce qui se passait sur la première année, on fait un peu plus parce qu'on est aussi plus qu'avant. Mais on est un peu victime de notre succès. Il y a tellement, tellement de joueurs dans le jeu au même moment depuis le 23 qu'on se retrouve avec ces gros problèmes de connexion. Et les serveurs sont faits d'une telle manière qu'en fait, tout le monde est affecté. Donc quand c'est des heures de pointe, sur le serveur global, ça fait laguer aussi le serveur Japon, et quand ça rame côté Japon, ça fait aussi ramer la globale. Donc c'est pour ça que c'est souvent très très dur de se connecter. Ils ont bien entendu, dès que ça a commencé, fait énormément de mesures pour réduire un peu toute cette pression sur les serveurs. Donc ils ont déjà, depuis lundi il me semble, tous les orbes que vous collectez pendant des quêtes ne vont pas dans vos cadeaux, ils vont directement dans votre total d'orbes pour un peu limiter la pression entre guillemets sur les serveurs. Ils font énormément de tâches derrière aussi pour diminuer le plus possible tout ce qui est l'amassement, je cherche le mot en français, désolé, mais donc les serveurs sont suroccupés, ils essaient de limiter ça en faisant plein de mesures en arrière. Bien sûr, pour régler tout ça, il faut augmenter notre capacité serveur et c'est en cours. On va remplacer certains serveurs, on va en ajouter d'autres avec des meilleurs specs. Maintenant, tout ça prend du temps. Donc quand on fait des maintenances, c'est pas le genre de problème quand vous avez des problèmes de flux comme ça, de serveurs surchargés. C'est pas en faisant une maintenance ou deux que ça s'arrange, c'est des problèmes plus structurels. Donc ils sont en train de bosser dessus, ça prend du temps. En attendant d'avoir cette surcapacité sur nos serveurs, les nouveaux serveurs, ils font tout ce qu'ils peuvent pour diminuer ces problèmes de connexion dans le jeu tous les jours. J'espère, je sais pas vous, ça va quand même un peu mieux, ça va continuer à s'améliorer. Mais voilà, déjà on a dit ce matin, mon collègue Oi-chan dans l'émission japonaise, faites gaffe à ce que vous postez dans l'émission japonaise, mais jouer ça en français c'est quand même un peu la honte, si je puis me permettre. C'est pas cool quoi. Mais bref, c'est pas l'objet, c'est vraiment, on est désolé.
On est désolé au nom de toute l'équipe, ça fait plaisir à personne, on est super déçu que ça se passe comme ça, c'est pas ce qu'on voulait, c'est pas ce qu'on est prévu pour les 2 ans. Ça craint, et tout le monde bosse à fond, vraiment, soyez assurés que tout le monde travaille à fond derrière pour arranger ça aussi vite que possible. Parce que tout le monde, l'équipe, je le dis à chaque fois, l'équipe de Bleach Brave Soul aussi joue au jeu constamment, donc ils sont affectés aussi, et en tant que créateur du jeu, pour eux, c'est un échec d'avoir les 2 ans qui se passent comme ça, donc tout le monde est sur le pont pour arranger ça, on est vraiment désolé, on vous présente nos plus sincères excuses, je sais que les excuses en elles-mêmes ne suffisent pas, donc pour ce qui est de la compensation, on a fait une news un peu plus détaillée lundi dans le jeu. Checkez les actus dans le jeu. Il y en a une qui doit s'appeler problème de connexion, il me semble, qui est sortie lundi et qu'on met à jour au fur et à mesure pour vous tenir au courant de la situation. Donc on a déjà dit que ça ne sera pas une compensation habituelle, genre 5 orbes sur rituel, évidemment, parce que c'est une situation vraiment exceptionnelle. C'est la première fois qu'on a ça dans le jeu. Maintenant, donc déjà ce qu'on prévoit, on va sûrement prolonger ou faire revenir certaines quêtes de temporaires une fois que tout sera réglé, parce qu'on est bien conscient que tout le monde n'a pas pu les faire comme il voulait. Les quêtes journalières, quotidiennes et hebdo aussi seront validées pour tout le monde avec les récompenses qui vont avec. Une fois qu'on aura tout réglé et qu'on verra la période totale où les problèmes ont été effectués, ont été là. Et plus ça va, ils réfléchissent à d'autres choses également, donc il y aura sûrement un montant d'orbes, je ne sais pas combien il sera, mais ça ne sera pas 5. Maintenant, voilà, pourquoi vous n'avez pas de compensation maintenant, c'est que les problèmes de connexion continuent, ils continuent à travailler dessus, donc pour eux, ils veulent déjà que tout soit réglé avant de faire le total en fait, de tout ce qu'ils doivent vous donner, parce que plus ça va durer longtemps, plus vous aurez droit forcément à des compensations plus importantes. Et donc si on vous donne quelque chose maintenant, il faudra forcément continuer après tant que ça continuera. Donc désolé, un peu de patience, mais nous, on veut que ça dure le moins longtemps possible. D'un autre côté, plus ça durera longtemps, plus les compensations seront importantes. Mais c'est pas qu'on veut pas rien vous donner pendant que vous faites la loterie progressive ou quoi, comme j'ai pu lire à droite à gauche. C'est qu'il faut, pour nous, il faut que tout soit réglé pour qu'on puisse faire le point total de tout ce qui n'a pas été, de tout ce que vous avez raté, de tout ce dont vous avez droit, pour vous donner ça, et une fois que tout est réglé. Et aussi parce qu'en ce moment, il y a déjà des gens qui nous ont rapporté qu'ils n'arrivaient pas à avoir le login, leur bonus de connexion certains jours. Donc on en est conscient et ça aussi, ça sera réparé. Donc les gens qui n'ont pas eu leur bonus de connexion devraient les récupérer quand tout sera rétabli. Donc c'est pour ça qu'il faut faire l'addition de tout ça. Et voilà, nous, tant que tout est pas réglé, on se voit pas, on vous compense pour les jours jusqu'à aujourd'hui. Et puis c'est encore le bazar. Donc on nettoie tout et une fois que tout est réglé, vous aurez vos compensations et on est vraiment désolé. Enfin, moi aussi, je joue tous les jours et le soir, je ne peux pas faire les coops extrêmes. Enfin, donc voilà, c'est le bazar. On est vraiment désolé parce qu'on peut vous dire qu'il y a eu le nombre de joueurs, les serveurs, la capacité serveur est... Et on avait prévu, mais ça allait bien au-delà de nos attentes et de nos prévisions. C'est pas une excuse satisfaisante, j'en conviens, parce que vous pouvez très bien dire, vous auriez fortement raison de nous dire qu'on aurait dû prévoir plus. Mais c'est ça avec les prévisions, des fois, c'est avec le recul, forcément, ça paraît simple. Donc voilà, on y bosse dur. Merci de votre patience, merci de votre compréhension. Vous avez raison de ne pas être content, vous avez raison de nous envoyer vos tickets au support client, dans nos commentaires SNS, vous êtes dans votre bon droit, et c'est à nous de faire ce qu'on peut, on va faire tout ce qu'on peut pour régler ça au plus vite possible. Donc voilà, toutes nos excuses, on est vraiment désolé, je vous présente mon crâne chauve, voilà, c'est pas ce qu'on voulait pour les 2 ans, donc voilà, toutes nos excuses, et tout le monde vraiment travaille d'arrache-pied pour régler ça, et j'espère que... C'est la vérité, donc croyez-nous et on va faire tout ce qu'on peut pour que ça soit réglé le plus vite possible. Et vous aurez des compensations à la hauteur, je l'espère. On aura peut-être des avis tous différents sur le niveau de compensation, mais en tout cas, ils travaillent d'arrache-pied dessus et ça devrait être quand même très important dans ce qu'on aura. Donc voilà. On va commencer l'émission normalement, mais je voulais juste commencer par ça parce que forcément, c'est ce qui se passe en ce moment. Just slide, onegaishimasu. Voilà, volume 28, donc maintenant là-dessus j'accélère. Donc dans le magasin, tout nouveau, tout beau, donc on a le nouveau Ichigo. On a mis la vidéo de présentation après le Bankai Live samedi, donc on va la remettre parce qu'il est quand même bien classe. Dogan Egashimas. Je l'ai pas eu, hein. Je sais pas vous, vous l'avez eu ou moi je l'ai pas eu. この一振りで型をつける!
Troisième attaque qui se charge. Il est vraiment vraiment classe. Il me semble que c'est pas la vidéo finale que j'ai mis en ligne, donc excusez-moi, mais dans sa troisième attaque spéciale elle se charge en fait comme Yami. Donc attaque normale de près au corps à corps comme à distance, un peu comme Aizen version Hogyoku. Donc voilà, moi je l'ai pas eu. Écoutez, sur le step 6, le palier 6 avec le 5 garanti, j'ai réussi, je sais vous allez me détester, je ne l'ai pas mis encore sur mon Twitter parce que les gens étaient tellement énervés avec les problèmes de connexion, je vais pas en rajouter, mais j'ai eu 4 persos, ils étaient plutôt bons. Je les mettrai peut-être en ligne plus tard quand j'ai un peu plus de confiance parce que j'ai trop peur de me faire battre à mort pour le coup vraiment avec mes propres godasses. J'ai pas eu Ichigo mais c'est pas grave, j'ai eu d'autres très bons persos. J'ai vu qu'il y en avait pas mal, Capsule Corp et compagnie, qui avait réussi à l'avoir l'anniversaire, les 2 ans Ichigo, bravo. J'ai vu qu'il l'avait eu avec la loterie gratuite de tous les jours. Parce que vous avez aussi donc jusqu'au 31 une loterie, donc un tour de loterie gratuit au taux de 6%. Moi pour l'instant j'ai eu que des 3 et 6 étoiles, sur 3 et 4 étoiles sur celle-là, mais j'ai été bien loti sur le palier 6, donc je ne me plains pas. Bon courage, vous avez jusqu'au 31 pour cette première partie. Donc je l'ai déjà dit pendant le Bankai Live de samedi, donc je peux déjà vous le dire que la deuxième partie en fait sera les persos que vous attendiez, donc ça sera avec Tensa Zangetsu, White Ichigo et Yoru Ichi. Qui seront là dès la prochaine étape sur la globale. Donc si vous attendiez ces personnages avec impatience, faites gaffe à vos orbes, il y a d'autres solutions pour vos orbes qui arrivent, je vais en parler dans quelques instants, mais faites pas trop les fous si vous êtes toujours intéressé par Tensa, Yoruichi et White, parce que je sais qu'on a tendance à s'enflammer et pensez à ça parce qu'il y a encore une semaine derrière. Donc voilà, on va enchaîner. La loterie 6 étoiles à choix, petit conseil si vous l'avez pas encore fait, donc vous avez jusqu'au 7 août il me semble de mémoire, si vous ne l'avez pas encore fait, peut-être, faites vos loteries progressives, parce que vous aurez peut-être des bons persos dedans, vous aurez peut-être des persos d'une affinité qui vous manquait. Donc si j'ai un conseil à vous donner, si vous ne l'avez pas encore fait, faites vos loteries, utilisez vos orbes, faites vos loteries, vous aurez peut-être de la chance et ça changera peut-être votre avis, parce que le mieux en fait, c'est soit d'aller, si vous targetez une affinité particulière, par exemple moi il me fallait du vert, mais j'hésitais aussi avec rouge, parce que j'avais que deux vraiment très bons rouges. Et avec la loterie progressive, finalement, j'en ai eu deux très très bons personnages force. Donc du coup, j'ai pu me concentrer sur la verte. Et j'ai eu Itzulu en vert, en niveau 200. Donc voilà, petit conseil, si vous ne l'avez pas encore fait, prenez votre temps, faites vos loteries. Et puis ça changera peut-être votre avis. Comme ils sont niveau 200, 6 étoiles, ça veut dire que vous pouvez, si vous avez fait les links, les emplacements à niveau 1 ou plus, si c'est une affinité dont vous avez besoin, pensez-y, parce que comme le personnage de base et celui que vous équipez doivent être de la même affinité pour que ça marche, bah lui, ce personnage-là sera directement maxé à fond. Donc vous pourrez directement l'utiliser si vous avez un emplacement de la même affinité niveau 1 ou plus. Donc voilà, ça fait des petites choses en plus à réfléchir. En plus, on a le pack spécial 2 ans, donc cette fois-ci, vous avez une volonté du Hogyoku dedans, un max d'orbes, un ticket de loterie 5 étoiles. Allez dans le magasin, dans le shop, regardez les détails du pack, du ticket, parce que ça vaut le coup de regarder s'il y a beaucoup de doublons pour vous, si vous êtes intéressé d'acheter le pack. Si vous avez trop de doublons, pareil, soyons honnêtes, hein, si vous avez trop de doublons, ça vaut peut-être pas le coup d'investir dedans. Si vous n'avez pas beaucoup de ces personnages, vous voulez tenter le coup, plutôt que d'acheter des orbes, du coup en faisant ça, vous avez une volonté du Hogyoku et plein d'autres trucs en plus dedans, donc ça vaut peut-être le coup. Si vous avez plein de doublons, c'est peut-être risqué. Pack accessoire 2 ans, ça par contre, moi j'ai eu un Chappie bleu sur le premier pack accessoire qu'ils avaient fait il y a quelques mois, donc j'étais assez content. Il n'y a pas de Calusizer, machin truc, montre, il n'y a pas de bandeau de la justice. Donc checker, pareil, vous pouvez aller dans le shop, vous pouvez checker les détails du ticket accessoire, il y a quand même pas mal de choses. Vous avez une chance d'avoir les Chappies dorés, mais même si le pourcentage est faible, une chance d'avoir les Chappies, les Papples, les Yuki.
Il est acquis, hein, le Yuki. Donc, regardez. En plus, vous avez un pinceau de réécriture, vous avez un de chaque tome, cinq de chaque poudre. Donc, pareil, si vous avez les moyens, si c'est dans votre budget, checkez-le, ça vaut la peine. Moi, je l'ai fait la première fois, je n'ai pas regretté. C'est vrai que j'ai eu du bol parce que j'ai réussi à avoir un chapi, mais en tout cas, il n'y a pas de montre et il n'y a pas de bandeau dedans. Et enfin, on l'a annoncé pour la première fois, ils l'ont pas annoncé hier sur le stream japonais, le prochain pack personnage est Audi Ulquiorra, la vieille version de Ulquiorra, avant sa libération. Donc c'est un des premiers persos. Il est, même quand vous le mettez en 6 étoiles, il est quand même pas mal. Donc pour les fans d'Ulquiorra, pareil avec les packs, si vous avez les moyens, si les packs vous intéressent, si ce personnage vous intéresse, allez-y. Si c'est trop cher pour vous, si ça vous intéresse pas, on reste amis, il n'y a pas de problème. Pour les fans d'Ulquiorra, si vous ne l'avez pas encore, comme c'est un personnage assez ancien, il est un peu rare à avoir dans les loteries. Donc voilà, pensez-y si ça vous intéresse, sinon next time. Enfin, on entre dans la période des transferts des médailles. Dès le 31, l'heure habituelle des updates, je crois que ça fait 9h du mat en France, on a Loli 5 étoiles qui arrive. Alors, son affinité et connaissance, il me semble, et son soul trait est réduction du temps de poison, moins 65%. Mais voilà, elle fait partie des Alankars, donc c'est quoi, c'est une Flaxion? J'ai oublié, Flaxion de qui déjà? J'ai oublié. Mais elle a un tempérament, elle claque tout le monde et... Et pas sympa avec Orihime, même dans le jeu. Déjà, Dogan et Gashimas, une petite vidéo de présentation. Paf, gros gif. Et attention, là, elle sort Orihime et la piétine. C'est pas cool. Donc voilà, on continue la collection de cet arc de l'histoire avec un personnage supplémentaire. Si vous êtes intéressé par les personnages qu'il y a dans l'échange de médailles en ce moment, donc vous avez jusqu'au 31 avant 9h du matin, heure française, pour les acquérir, on a donné 800 médailles la semaine dernière avec l'update. Donc pensez-y. Sinon voilà, ils reviendront sûrement une prochaine fois, mais voilà, il vous reste quelques jours en tout cas. Prochains événements, de nombreux anniversaires à célébrer. Je vois toujours beaucoup de questions. Vous pouvez checker le calendrier, vos nombres de pièces anniversaires dans les actus, dans les trucs en bas où il y a le calendrier des quêtes événements. Vous avez le guide stratégique, ça se trouve là maintenant. Faut vous connecter à ces jours-là pour avoir la médaille. Et quand vous aurez 20 médailles, vous pourrez l'échanger avec un ticket 5 étoiles. Donc ça vaut le coup. Je sais qu'on vient juste de démarrer, donc on en est loin. Mais juste en vous connectant certains jours, vous pouvez avoir un personnage 5 étoiles en plus. Ça mange pas de pain. Voilà, il nous reste encore Kensei et Grimm ce mois-ci. Le mois prochain, on en a pas mal. On a celle qui n'est pas aussi sympa que Shinji, on a Isane, on a Coolhorn, je ne sais pas comment on prononce en français, excusez-moi. On a Shuhei, Isagi, bref, regardez, il y a du monde. Encore en septembre, donc il y aura moyen quand même assez rapidement d'avoir le premier ticket 5 étoiles. Donc à suivre, on mettra sur nos réseaux sociaux à chaque fois quand c'est un jour d'anniversaire au cas où. Et enfin, un nouvel événement en point qui va arriver dès le 31 juillet. Avec ces personnages, donc comme je l'ai annoncé, vous aurez White Ichigo version holification complète, fully holified. Vous aurez Yoroichi version armure. Et vous aurez la version Tensa Zangetsu. Donc cet événement aussi, vous allez pouvoir dropper une nouvelle Yoroichi 4 étoiles, donc ça vous donnera 35 orbes. Et aussi, si vous avez la chance d'avoir Yoroichi la semaine prochaine, vous pourrez la faire passer de niveau 60 à 80 et de 100 à 120 plus facilement, si vous arrivez à avoir le personnage. Mais en plus, avec un petit effort, vous pourrez avoir des tomes des secrets, un technique, un instinct, des Hogyoku, 90 orbes spirituels rien que dans les points. Parce que vous aurez ensuite, bien sûr, ceux que vous apportez Orochi et ceux des quêtes de l'événement de points quand vous les finissez la première fois. Donc voilà, vous allez pouvoir vous faire plus de 100 orbes comme ça avec cet événement. Je sais que vous êtes occupé avec tout ce qui se passe dans l'anniversaire, il y a le problème de connexion, mais ça vaut la peine. Voilà, deux ans, on va refaire un point Previously on Bunker Live.
Parce que je sais pas si tout le monde a pu regarder l'émission, c'était vraiment un plaisir, encore une fois, j'étais avec ma collègue Alex, de faire les traductions en direct samedi pendant le Bankai Live, on a annoncé tous les trucs. J'ai essayé de mettre du français quand je pouvais, hein, mais je spammais un peu le flux audio, j'ai essayé. Donc juste, on va revenir sur les points principaux. On a montré un petit making-of de la nouvelle attaque spéciale du Ichigo spécial 2 ans, qui a été faite aussi par notre réalisateur Tsuboi-san, donc on va vous la remontrer. Déjà, et le making-of, on est là. Il est pas mal ce petit remix. Hein. Voilà, vous avez les refs en 2D. On affine. Hop, on met les couleurs. Les effets de lumière, les ombres. Oups. Les effets qui vont bien. Là ça part un peu en vrille quand même. Voilà, il y a le passage en 3D. Il est classe quand même, moi je l'ai pas eu, écoutez, il reste quoi, il reste 3-4 jours. 3-4 jours sur le volume 1. Après il y a le volume 2, on verra bien. Mais bon, moi j'ai déjà eu des bons persos, donc si je l'ai pas, je serais pas trop déçu honnêtement. Voilà, une fois tout terminé. Voilà, on a montré ça. Il y avait donc les doubleurs de Ichigo, de Shuhei Keigo Asano, son pote. Ils sont toujours super sympas et voilà, on a discuté de pas mal de choses. On a fait aussi la lecture. Je sais que c'était un peu ennuyeux pour certains d'entre vous, mais bon, c'était quand même le nouveau roman qui se passe après les mangas sur Shuhei. On a lu quelques passages, on a essayé de les traduire avec Alex aussi bien qu'on pouvait. Voilà ce qu'on a présenté, bien sûr, les bonus de connexion spécial 2 ans, vous êtes en plein dedans, je l'espère. On a reçu des tickets au support client que certains n'avaient pas réussi à les avoir, donc on est sur le coup. Aujourd'hui, c'était justement le jour où il y avait les 3 Hog et les 3 volontés du Hogyoku, données par Byakuya Onisama. Vous pouvez rater 2 jours de connexion, je crois, pour quand même terminer au 15e jour, qui vous donne le ticket 5 étoiles plus 10 orbes, donc ça fait 190 orbes au total, si je ne m'abuse. Donc même si vous n'avez pas joué ou si vous ne pouvez pas jouer, c'est quand même de mettre au moins une connexion dedans pour que ça compte. Le saviez-vous, donc la quête 2e anniversaire est géniale. Non seulement vous avez la pièce spéciale, l'accessoire pour les 2 ans qui vous donne en 5 étoiles un boost de 10% pour chaque stat. Moi l'année dernière, celle des 1 an, je l'ai perdu parce que je l'ai donné à bouffer un autre accessoire sans faire attention parce qu'il n'y avait pas le lock, il n'y avait pas le verrouillage à l'époque. Donc je suis bien content de la récupérer. Mais aussi, vous pouvez dropper et avoir dans les loteries des tickets d'accessoires par affinité. Donc ça, c'est super sympa quand vous manquez de certains accessoires par affinité. Par moment, j'ai pas beaucoup de rouge et de vert, donc je me concentre sur ces quêtes-là. Bien sûr, les tickets vous donnent beaucoup de 2 et 3 étoiles. Maintenant, si vous avez des boules immuables, vous pouvez passer des 3 étoiles en 4 étoiles. Donc moi, j'avais besoin d'un Hojikuzai, d'un... C'est pas le conseil de transfert, c'est l'autre. Je vais encore me faire taper dessus. C'est pas grave, on passe, oublié. Donc ça vous donne plein d'accessoires que vous pouvez utiliser sur d'autres. Si vous avez des boules immuables, vous pouvez quand même les monter de 3 en 4 étoiles par exemple. Et ça vous donne aussi un max d'autres choses, dont vous pouvez choper des poudres d'évolution, il y a des livres aussi qui sont en jeu. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous avez les extra stages comme dans les espaces de transfert en solo et en coop. Les coops sont niveau 90, elles sont super faciles. Je sais que c'est pas toujours facile de rentrer dans les coops en ce moment, mais quand vous pouvez,
Faites-les. Les boss peuvent dropper des tomes des secrets. Vous avez l'extra stage qui peut aussi dropper des tomes des secrets. En solo, l'extra stage peut dropper des cœurs de renforcement 4 étoiles et surtout ça peut vous donner 300 000 cannes. Et si vous mettez des montres et des soul trades de bonus de cannes, vous pouvez facilement monter à 500 000 voire à 1 million de cannes en un run si vous tombez sur l'extra stage. Donc vraiment allez-y, je sais que les extrêmes coop, les coop extrêmes ne sont pas disponibles à tout le monde. Là c'est niveau 90, c'est très facile et les coop vous pouvez vraiment avoir des super récompenses. Donc si vous pouvez, faites-les, je vous le recommande chaudement. On a aussi le Bleach Zero, l'événement spécial, il y a que deux quêtes, hein, c'est plutôt une histoire, c'est plutôt basé sur de l'histoire celui-ci. On a un petit sondage à faire dans le jeu qui peut vous donner 10 orbes supplémentaires, j'en profite pour vous montrer où c'est parce que c'est vraiment pas facile à trouver. Et totalement de son égrachement. Donc en fait ça se trouve un peu dans un trou noir, donc il faut aller dans vos actus. Et malheureusement c'était dans l'actu qui est tombé le jour de l'anniversaire, donc le 23. Donc problème de connexion, c'est la news dont je parlais justement. Et là les 2 ans de Brave Soul premier round. Et il faut vraiment aller la chercher quoi. Questionnaire spécial 2 ans. Le questionnaire est ici. Et en allant là, ça va vous amener par là. Quel est votre sexe ? Donc voilà, il y a certaines questions à répondre. Ça prend vraiment quelques minutes. Et à la fin, vous avez ça plus un autre écran de confirmation. Et vous aurez 10 orbes. C'est pas mal. Vous pouvez avoir 25 orbes aussi en retweetant, en allant dans les orbes. Normalement, vous avez un orbe spécial qui vous emmène à Twitter. Donc si vous n'avez pas Twitter, peut-être au pire, téléchargez l'appli, faites un compte, faites retweeter, ça vous fait 25 orbes. Après, si vous voulez pas utiliser Twitter, vous pouvez l'effacer après, hein, si je me fais engueuler par Twitter. Mais voilà, ça vous fait facilement 35 orbes en plus en faisant le truc de Twitter et le questionnaire. Nous, le questionnaire, ça nous aide à vous connaître mieux. Avec celui des 1 an, ça nous a quand même donné pas mal d'infos. On a fait certains événements en fonction de votre feedback. On a fait certains personnages déchaîner Frenzy en fonction de vos feedbacks aussi, donc ça vaut vraiment la peine, puis ça vous fait 10 orbes en plus. Déjà, et tout cela, numéro de Tekolasai. Voilà, donc on en est toujours que dans le premier round, hein, j'insiste, donc la suite arrive très bientôt. Dans le Bankai Live aussi de samedi, ils ont annoncé, c'était tout en japonais, donc on va le refaire en français, de ce qui va se passer dans les prochaines mises à jour. Vous pourrez bientôt envoyer des demandes d'amis depuis l'écran de résultats après une quête. Donc en coop, vous avez fait une coop, vous avez bien entendu avec les personnes, par exemple, ils ont bien respecté vos consignes. Au moins, par exemple, en ce moment, sur certaines quests, sur certaines quêtes coop extrêmes, je me retrouve juste avec 2 ou 3, et on est à 2 ou 3, puis on tient bon jusqu'au bout. On s'est bien aidé, puis ça peut être sympa d'envoyer une requête, une demande d'amis après ça, donc vous pourrez le faire. Et vous avez déjà remarqué qu'on a mis à jour les phrases préétablies, préprogrammées de coop. En fait, ce qui va se passer dans une prochaine update, c'est que vous pourrez faire une liste vous-même en fonction d'un choix déterminé. Vous pourrez prendre que celles qui vous vont. Et vous pourrez faire votre liste comme ça, customisée de dialogue. Par exemple, si j'ai Nanao Parasol japonais, par exemple, donc je vais faire beaucoup de soins, donc je vais plutôt me concentrer sur les phrases qui sont liées aux soins. Et inversement, enfin, et ainsi de suite. Donc vous pourrez faire votre sélection d'une liste prédéfinie pour avoir plus d'options quand vous dialoguez en coop. Également, ça c'est plutôt intéressant, on va avoir un objet qui ressemble, enfin un peu comme le pinceau de réécriture, on aura un objet qui vous permettra d'aller débloquer les saules de compétences de vos arbres, de vos saules tri 6 étoiles. Donc sans avoir les personnages événements qu'il vous faut pour débloquer ce truc-là, vous pourrez, si vous avez l'objet adéquat, vous pourrez débloquer la compétence sans faire les quêtes événements, sans dropper les personnages que vous auriez besoin normalement. Donc c'est encore une autre étape pour vous aider à aller au bout de vos persos 6 étoiles. Je ne sais pas encore le nom de l'objet, je ne sais pas encore quand il sera là, je ne sais pas encore à quoi il ressemblera, comment on pourra l'obtenir. Mais voilà, on annonce la suite. Et aussi, ils continuent à bosser sur l'IA des Brave Battles parce que, écoutez, moi j'en parle souvent, moi j'arrive à me maintenir au third seat. C'est pas toujours facile, des fois mes personnages m'énervent dans ce qu'ils font, c'est déjà mieux qu'avant je trouve, mais ils continuent à bosser dessus pour qu'il y ait moins de mouvements bizarres, mouvements inutiles ou qui vont contre la stratégie que vous établissez ou contre votre personnage. Donc ils y travaillent, les problèmes d'IA c'est toujours très compliqué. Easy boss, donc ça sera amélioré.
toujours la gestion des cadeaux, de la boîte à cadeaux. Je sais qu'on appelle juste ça les cadeaux dans la version française, mais vous voyez l'icône de cadeaux en haut à droite. Ils vont rajouter des différentes tables, en fait, pour que ça soit plus simple de récupérer ce que vous voulez. Ils vont rajouter un menu de confirmation, donc j'imagine que ça sera plus facile de choisir en un coup ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, ce que vous voulez garder dans les cadeaux, dans la boîte à cadeaux, ce que vous voulez prendre directement. Ça m'évitera de me tromper et de valider des trucs que je voulais pas tout de suite. Donc easy boss, et ils vous ont entendu, ça arrive souvent dans le question bucket, donc on l'a transmis et ils y travaillent. Et également la home screen, l'écran d'accueil, ils sont en train de travailler dessus pour que la navigation d'un écran à l'autre dans les menus soit un peu plus intuitive, parce que des fois c'est un peu le bazar, j'avoue. Donc ils travaillent aussi là-dessus. Encore plus de nouveautés, ils sont en train d'implémenter un mode auto en coop. Maintenant, avant que tout le monde crie au scandale, le mode auto sera à choisir, la responsabilité du choix sera uniquement au créateur du groupe. Donc si je fais une quête de fusion, j'estime que c'est assez facile et que je suis ok, soit pour moi, soit pour les collègues du groupe qui vont venir de faire de l'auto, je peux le choisir. Non, donc il y aura toujours le choix appartiendra au créateur du groupe. Mais pour les quêtes plus faciles, pour les quêtes événements 4 étoiles, pour les fusions, pour les quêtes coop déchaînées où vous avez besoin d'en faire beaucoup, voilà, pour les coop où on a besoin d'être actif, ça pourra nous aider vraiment à aller plus vite parce qu'on ne peut pas toujours être devant notre téléphone à fond. Mais voilà, la responsabilité, le choix sera celui qui crée le groupe et qui utilise son ticket. Puisqu'on parle d'un ticket transition, la limite des soldes tickets sera augmentée. Donc pour l'instant, vous en avez 5 en haut à gauche et ils se rechargent toutes les 15 minutes, il me semble. Et après, vous pouvez en avoir plus. Si vous en avez déjà 5, ça s'additionne. Ils vont augmenter le nombre par défaut. Je ne sais pas encore de combien. Et aussi, il sera possible d'en utiliser plusieurs à la fois. Donc par exemple, je fais une quête à points. Il me reste, j'ai 7 tickets. Et je vais les utiliser les 7 d'un coup, donc je sélectionnerai 7 tickets, ils seront tous consommés. Je ferai une seule fois la quête, et à l'écran de résultat de la quête, j'aurai le loot pour l'équivalent de 7 quêtes d'un coup. Donc ça va nous faire gagner un max de temps. La seule limite au truc, c'est que bien sûr, je pense que certains d'entre vous l'ont déjà compris, c'est que si vous êtes mort pendant la quête, bah vous perdrez tous les tickets, vous n'en perdrez pas un, vous perdrez tous les tickets que vous avez utilisés. Donc pensez-y, faites peut-être pas ça pour les grosses quêtes événements 5 étoiles, genre la Ulquiorra, la Ichigo Full Holo. Faites-y gaffe, mais pour les quêtes alimentaires, genre déchaîner, quête à points ou les événements que vous voulez faire 20-30 fois pour finir tous les ordres de mission, là, ça a vraiment simplifié la vie. Surtout si on a au début de journée, quand on a tous les tickets avec les ordres journaliers, ça permet d'aller vachement. Language. Je suis quand même beaucoup plus pelé que certains d'entre vous sur Twitter. Hein. La vache. Voilà. Ensuite, c'est tout en japonais parce que c'était tiré du stream japonais. On n'a pas les images équivalentes in English ou en français. Donc Sasakibe, c'est Chojiro, va enfin être disponible en jeu, donc ça c'est à compter d'août, donc ça sera sûrement peut-être un peu après, mais à partir d'août, voilà, les tag teams reviennent et il y en a plein, ceux qui étaient attendus depuis très longtemps, donc Sogi no Kotowari et Ukitake, Retsu et Minazuki. Shojiro enfin dans le jeu, donc tu vois, toi cosplayer qui m'a contacté sur Twitter d'ailleurs, ça m'a fait plaisir. Tu vois, j'ai rien dit quand je t'ai rencontré, je le savais déjà, mais voilà, je voulais garder la surprise. T'es dans le jeu, mec, t'es dans le jeu. Attends, si Zomare il est dans le jeu, t'as le droit d'y être aussi. Donc il sera avec son Zanpakuto qui est Ganryu Maru de mémoire. Vous aurez enfin Renji et Zabimaru, et vous aurez aussi Muramasa et Koga. Koga dans sa version avant qu'il se fasse enfermer et qu'il ait des petits problèmes de santé. Et en plus, on a annoncé, on n'a pas dit quand encore, mais bam, il y a plein de jeux qui nous l'ont demandé. Vous allez avoir Ichigo et White Ichigo en tag team aussi à l'avenir. Et enfin, mais vous le savez tous maintenant, mais voilà, on confirme. Voilà, ça, c'est tout en japonais aussi parce qu'on n'avait que ça. L'arc de Blood, de Thousand Year Blood War arc. Donc le dernier arc, c'est pas les scans. Arrêtez de dire les scans, les gens. Et moyen de vente des mangas, moi ça les encouragera à faire l'anime. Dans les interviews que j'ai fait, tout le monde disait scan, et chaque fois que je voyais scan, je dis ah, arrêtez. Même si vous regardez des scans, au moins dites manga, parce que c'est le vrai nom, c'est manga. À la base, ils sont pas disponibles en scan. Glena, si tu nous regardes. C'est les mangas.
Donc pas les scans, les personnages des mangas seront à la fin du manga, donc le dernier arc, seront dans le jeu. Donc ils vont arriver en 4 étapes, et au total il y aura 14 personnages. Alors je sais, c'est 14 personnages, mais on a travaillé d'arrache-pied pendant des mois pour avoir ça. Qui sait, peut-être qu'on pourra faire plus à l'avenir, mais c'est déjà pas mal, parce que ça fait très longtemps qu'on bossait dessus. Donc encore, je l'ai dit dans le stream anglais, le Bankai Live samedi, désolé pour l'interview de Capsule Corp, pour Zawa Ludo aussi, l'interview qu'on a fait pour le forum jeux vidéo. C'est pas que je voulais vous mentir ou quoi, c'est que je n'avais pas le droit d'en parler, je ne pouvais pas en parler, c'était vraiment quelque chose de confidentiel, il fallait attendre de le dire pendant Jump, le magazine Jump qui a fuité jeudi ou vendredi dernier, et pendant le Bankai Live. Je pouvais vraiment pas en parler, j'aime pas cacher des choses ou quoi, c'est juste que là, bah, des fois, je travaille dans une société et il y a des choses dont on ne peut pas parler. Donc c'était pas loin de moi l'idée de vous mentir ou de vous tromper, mais c'est juste que vraiment, je ne pouvais pas en parler, c'était trop gros pour juste dire ça de manière casual comme ça. Donc vraiment désolé, mais je suis vraiment soulagé maintenant qu'on puisse en parler. Et puisqu'on en parle, donc ça sera 4 étapes, 14 personnages au total, et la première vague de personnages vont arriver dans l'année. Et les 4 premiers seront Hitsugaya, Toshiro dans sa version adulte Bankai, vous aurez Byakuya aussi dans sa version donc de l'arc des Quincy. Désolé si c'est spoiler, hein, mais si vous n'avez pas lu encore les mangas, je vous encourage très fortement à lire la suite des mangas. Sajin Komamura dans sa version un peu humanoïde, et enfin, j'ai toujours pas de Kyoraku moi, Kyoraku. La classe incarnée. Donc comme vous le voyez, ça c'est des ébauches, donc on est vraiment en train de bosser dessus. Il y a eu plein de traductions à la mort moelle-neuve quand il y a eu la news sur Jump qui est sortie, où des gens disaient que c'était le studio qui allait préparer les trucs pour Caleb machin. C'était pas du tout dans l'article en question, donc il y a des gens qui sont un peu emportés dans leur traduction. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était fake news. Donc on est en train d'y bosser, mais comme vous en doutez, il faut qu'on travaille ça, parce que le support était papier, faut qu'on mette des couleurs, faut qu'on mette des animations, faut qu'on mette des voix. Donc ça va mettre du temps, mais en tout cas les premiers personnages seront dans l'année. Enfin, ce qu'on a annoncé, ce qui n'était pas dans la news de Jump, qui n'était pas fruit, donc ça n'a pas fuité jusqu'à l'émission de samedi, ça j'étais bien content qu'on ait au moins une grosse exclu à vous annoncer. Les personnages des films aussi vont arriver dans Brave Soul, et la première vague de personnages de films vont aussi arriver dans l'année. Je ne sais, ça c'est pas un mensonge, je ne sais pas quel film ni quel personnage, mais ils vont arriver dans l'année, les premiers personnages de films. Donc vous avez Memories of Nobody, The Diamond Dust Rebellion, Fade to Black, et le dernier qui est The Hellverse. Il me semble que c'est les mêmes noms en français, excusez-moi si je fais mon Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude, si tu nous regardes, aware. Donc voilà, ça fait un moment que je le disais dans les interviews, je ne pouvais pas dire pourquoi, mais voilà, l'avenir du jeu est vraiment, on a plein de choses à voir venir. Et je l'ai dit tout à l'heure dans l'émission anglaise et au Bankai Live de ce week-end, c'est grâce à vous, si le jeu n'était pas un tel succès, on n'aurait pas pu négocier, on aurait eu moins de choses à négocier sur la table pour faire quelque chose qui est quand même... Il faut vous rendre compte que ça va être la première fois qu'on va voir ces personnages, pour le manga en tout cas, animés dans un support quel qu'il soit, multimédia. Donc forcément, nous jusqu'à présent, on avait les droits de l'animé, donc ça a été quelque chose de très très complexe. Et je pense que voilà, ils ont vu, les différentes parties prenantes ont vu le succès du jeu, l'engouement autour du jeu, et ils nous ont fait confiance pour être en fait les premiers à animer ces personnages et ces versions-là. Et c'est grâce à vous, merci de votre soutien au jeu. Je sais, vous n'êtes pas toujours, ce qu'on fait ne vous plaît pas, on essaie toujours de vous écouter au mieux possible, de suivre, de vous plaire, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais voilà, c'est grâce à vous aussi, vous êtes en grande partie une des grosses raisons que c'est soit devenu possible, donc merci à vous. Encore désolé pour ces problèmes de serveur, c'est vraiment pas ce qu'on voulait pour les 2 ans, on y bosse à mort, mais vraiment merci à tous. Voilà, dernier petit point, notre site officiel spécial 2 ans sera mis à jour le 31 juillet, donc pensez à checker le site bravesoul.com, le site officiel, il est en français aussi, il y a plein d'infos, donc là il y a un mini site spécial 2 ans où il y a des infos de ce qui se passe. Donc le 31 juillet, probablement fin de journée côté Japon, on va mettre à jour avec tout ce qui continue pour les 2 ans, parce que les événements des 2 ans sont vraiment pas finis, ça fait que commencer. On mettra sûrement un petit post sur Twitter et Facebook quand le site sera disponible, la mise à jour sera disponible. Et enfin, Japan Expo suite et fin, parce qu'on a... Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'étais sur scène pendant le Bankai Live quelques minutes, on a fait le Global Corner, donc je me suis retrouvé encore à côté des légendes Morita-san et Konishi-san.
Quel kiff, c'est vraiment plaisir, j'espère que j'ai représenté, j'ai fait ce que j'ai pu, j'étais un peu rouge, hein. Moi j'ai pas le maquillage, hein. Eux ils ont tous le maquillage de pro, des gens de la télé, moi c'était naturel. 10 ans de moins, non ? Donc voilà, comme on a présenté un petit montage sur la Japan Expo, je voulais quand même, pour l'émission française, vous la montrer. Magneto, Serge. Donc ouais, désolé, on n'avait pas de stand, c'était peut-être pas clair pour tout le monde, on n'avait pas de stand à la Japan Expo, peut-être l'année prochaine, j'espère. Donc j'avais donné rendez-vous aux gens autour de la grosse bannière latérale de Brave Soul. Donc voilà, on a montré quelques cosplays. Amaga, il était bien classe aussi, mec. Kenze, très très classe aussi. Tu vois, mec, t'es dans le jeu. Ouais, n'hésitez pas à me contacter. Yoruichi, t'arrives bientôt. Et je t'ai eu sur la Japan pendant le Step Up. Je t'ai enfin. Ça fait bizarre de dire c'est une vraie personne parce que je suis marié et tout, mais je t'ai. Merci à vous. C'était vraiment un plaisir de vous revoir, les mecs. Voilà, on enchaîne. Juste pour dire, c'est pas très gentil de m'avoir recalé, hein, franchement. T'arrives. C'était pas très malin. Hein. J'ai mis les sous-titres en japonais, donc pendant le Bankai Live, tous les japonais, tous les Seiyusan ont pu voir vos commentaires. Ramener Aizen enfermé sur sa chaise, ce sera le meilleur perso de BVS. Et ouais, dis bonjour à celui qui fait la voix d'Ichigo. Et de Wissama. J'espère beaucoup le voir un jour. Et ouais, bonjour à tout le monde et aux développeurs et merci à tous. Bon alors sinon, moi ce que j'ai à dire, le Kitake déjà m'annonce super, franchement. Tu l'as eu? J'espère que tu l'as eu. Moi je l'ai eu 4 fois, il est bon. Merci, continue de faire du bon boulot et gros bisous. Voilà. Voilà, donc on a mis ça avec des sous-titres japonais pour que tout le monde puisse suivre. C'était qu'un bref extrait, il y a beaucoup de gens qui parlaient des scans, qui parlaient des personnages manga. Et du coup, comme on ne l'avait pas encore annoncé dans l'émission, c'est pas que j'ai censuré, c'est que comme on allait faire l'annonce dans l'émission juste après ce passage-là, dans le sens du programme, je pouvais pas mettre ces questions-là parce que ça faisait un peu bizarre. Mais merci à tous. Voilà, c'était vraiment un plaisir. Je savais pas à quoi m'attendre quand j'ai dit ça vous intéresse qu'on se voit. Et ça a été vraiment un plaisir de vous voir. Chien, il est où mon 6 étoiles? Tu l'as eu ton 6 étoiles, j'espère. Et enfin, pour finir, Mathieu part en live. Ça part en vrille. Il y a pas mal de feedback de gens qui m'ont dit qu'en fait, ils aimeraient bien qu'on fasse l'émission française en direct. On pourrait le faire à l'heure où j'enregistre là. Souvent, c'est jeudi vers 18-19h. Ça fait 11h midi chez vous. Donc, je suis en train de voir si on peut faire l'émission en direct. Ça sera sûrement le jeudi. C'est un peu tard pour nous, mais si on fait vers 19h et que tout le monde est OK, ça fera le midi, donc le jeudi midi. Donc je sais que ça ne sera pas pour tout le monde, mais s'il y a quelques gens qui peuvent nous suivre pour qu'on puisse avoir un peu de commentaires en live et faire un peu de coop. Si ça va à certaines personnes, je sais que ce ne sera pas facile pour tout le monde de nous suivre en pleine semaine, un midi, mais avec le décalage horaire, c'est tout ce qu'on peut faire. Je suis en train de faire avancer ça, il faut juste que j'ai quelques feux verts, mais ça a l'air d'être bon, donc je ne sais pas si ça sera semaine prochaine ou prochaine semaine, je vous tiendrai au courant. Mais voilà, très bientôt, on devrait pouvoir faire ça en live, ce qui sera beaucoup plus convivial. Donc merci de me l'avoir dit quand on s'est vu à la Japan et dans vos commentaires même la semaine dernière. Donc je ne sais pas, on sera peut-être que quelques pèlerins, mais de toute façon après l'émission sera en archive, donc ça ne changera pas grand-chose. C'est juste qu'au moins quand je parle, au lieu de parler tout seul, on pourra dialoguer en direct, on pourra faire de la coop. On pourra faire des loteries ensemble également. Donc voilà, je vous tiens informé. Je ne sais pas si ça pourrait être dès la semaine prochaine. Ça sera peut-être un peu plus tard parce que je dois prévenir un peu aussi tous les différents partis, pas seulement dans la société, mais en dehors, parce que c'est quand même, on est quand même plusieurs sur le coup de Bleach Brave Soul. Mais voilà, je voulais vous l'annoncer. Donc c'est une émission un peu longue aujourd'hui parce qu'on devait parler des serveurs, parce que je voulais revenir sur le Bankai Live. J'espère que le Bankai Live vous a plu. J'espère que vous êtes contents de la news, des personnages, des mangas, des films et des nouveaux tag teams. Vous voyez, quand vous nous donnez du feedback, des fois on n'y arrive pas, mais des fois on peut. Donc continuez à le faire. Je suis vraiment désolé de ce qui se passe dans les connexions. Ça nous affecte aussi. C'est pas ce qu'on voulait pour les 2 ans. Il y aura de la compensation. Il faut juste que tout soit réglé pour qu'on voit. Et de toute façon, plus ça sera long, plus la compensation sera grande. Donc nous aussi, on a intérêt à régler ça le plus vite possible. Donc merci à tous, merci de votre fidélité, c'est aussi pour ça qu'on a réussi à avoir les droits, enfin pour une partie notamment des mangas, des films, c'est grâce à vous, vous êtes géniaux. Et puis voilà, peut-être à bientôt en live j'espère, voilà, bonne fin de journée, bon courage sur les loteries, sur tous les événements des 2 ans, Bankai, et puis à la semaine prochaine, bye bye.